Les minéraux ont une très grande importance dans notre vie, même si peu de personnes en ont conscience. Ben non, c'est juste des gros cailloux. Moi, là, je suis très important. Je suis le niobium. J'ai une mine au Québec et j'ai même ma place dans le tableau périodique en tant que numéro atomique 41. Sans moi, vous n'auriez pas de plateforme pétrolière, de gaz, de pétrole, de poutres pour la construction et de moteurs pour vos jets et d'autres engins. Pathétique, qui sait c'est quoi niobium? Moi, je suis le zinc, numéro atomique 30. Sans moi, vous n'aurez pas de nourriture, de produits pour visage, pis pas d'électronique, parce que moi, on va retrouver dans la batterie. Fait que sans batterie, pas de vie. Sans batterie, je pourrais même pas prendre en vidéo ça. Fait que moi, j'ai une mine au Québec. Quand même plus important. Bon, moi, je suis nickel, numéro atomique 28. J'ai deux mines au Québec. Puis ben, sans moi, vous n'auriez pas d'objets électroniques, pas d'objets pour la médecine, vous n'aurez pas de monnaie, parce que oui, les pièces, ça, c'est fait avec du nickel. Puis, ben, vous n'auriez pas d'automobile. Moi, en tant qu'or, je pense être plus important que tous les autres minéraux. J'ai 7 mines au Québec, je suis connue sous le numéro atomique 79 dans le tableau périodique, je suis contenue dans les pièces électroniques, l'argent, les bijoux. J'espère que cela vous en a appris plus sur les minéraux, les mines et leur importance.